Oh non, pas lui, putain. Salut. Deux, je suis terminé. Ça va? Ça va? Oh, ben, terminé. Ouais, ouais, ouais. J'ai bu un coup avec des potes. Je me suis marré. Ah, mais c'est pour ça, du coup, que tu viens comme ça. D'accord. Tu viens jamais. Tu viens jamais dans cette vacuelle. Oh, j'ai vu celui que j'ai fait aller. Oh. Ah, mais elle est pas là, l'autre bestiole. Je vais passer faire un petit coucou rapido. C'est... Non, mais elle est quand même pas là, l'autre bestiole. Ah. Elle... Bah, elle fait quoi? Quart d'heure touchette, je crois. Ah, ok. Mais du coup... Elle aime se retrouver comme ça. Elle se retrouve elle-même. Ouais, du coup, tout à l'heure, la meuf, elle m'a fait dégueuler. Genre, vraiment, on se bouge et tout, blablabla. Y'a un pote qui fait, oh, vas-y, ça casse les couilles de une meuf et tout. Et là, t'as la... T'as une meuf que je connaissais pas qui veut, de toute façon, vous vous rendez pas compte, vous, les mecs, mais... Pour les meufs, le monde, il a... Pardon. Pardonnez, de quoi tu parles? Vous vous rendez pas compte, pour les relations amoureuses. Pardon. Il y a bien un domaine où le monde est injuste envers les hommes, c'est celui-là, hein, pas les meufs. Hein. Faut arrêter à un moment. Et là, la meuf, elle m'a sorti tout, un blague, je dis oh là là, oh là là. Oh là là. D'après oh là elle, là. Le monde n'est pas juste pour les hommes. Bah, pour les femmes, pardon. Parce que... Parce que du coup, les hommes n'ont pas d'idée de s'intéresser réellement à la personne. Qu'est-ce que tu racontes en fait? Mais non, mais il y a des meufs qui ont besoin de... Soit je voulais juste attirer ton attention. Ouais, non, à vous l'état de... que... Quelqu'un, moi je me dis, ouais, mais tu fais un explique-toi. Et ouais, bah le dernier mec et tout que j'ai rencontré, j'ai fait finis pas ta phrase. Je parle de toi en fait, je parle pas des autres. Donc là concrètement, j'ai pris de la vie de toutes mes potes, je lui fais, mais regarde, demande à n'importe qui là dans la pièce. Elles te le diront. Si elles ont galéré ou pas à trouver leur mec, si elles ont galéré à trouver leur point de cul ou leur mari, peu importe. Et demande aux mecs, est-ce que eux ils sont pas en galère de trouver des gens du coup? En mode ouais, mais eux c'est pas pareil, ils y mettent pas du leur. Ah, c'est vrai qu'ils sont totalement irrespectueux et compagnie. Et c'est vrai, ils y mettent pas du leur. Ouais. Tu sais que t'es juste une conne qui est aigrie parce qu'elle se fait têche par son monde parce qu'elle en vaut pas la peine. Là j'ai commencé à faire insulter le match sur vous. Une meuf qui m'a fait marrer, quoi. Pourquoi il a pas attaqué? Je vais faire l'anti-heal très vite. Juste pour les wow. Les meufs elles ont le pouvoir sur tout.
sur toute cette partie-là, justement, mais à part ça, il n'est pas juste. Donc c'est juste elle qui décide à terme. J'ai choqué un allié, gros. Oh, le mec il m'a regardé, je te jure, il a regardé où j'ai tué le mec. Il m'a regardé, il a re-regardé là où j'ai tué le mec. Bon, la petite chine elle va commencer à me casser les couilles celle-là. Ah, ça fait top, ça braille. Ah ouais, on peut. Je me disais aussi, ça gueule beaucoup, la chine elle gueule beaucoup en ce moment. Bah ouais, mais ça monte mal. C'est pas, c'est même pas la sienne, c'est celle de sa fille qui est partie en vacances. Ouais. C'est de la garderie de chien chez moi, apparemment. Le problème c'est que bon, la fille elle a pris le pli de sa mère, c'est-à-dire élever un chien comme un enfant, donc en fait bah ça crée un chien qui est super sympa hein, mais très casse-couille. Voilà, c'est ne pas savoir élever un chien, tu vois. Malheureusement. Donc typiquement ça te fait un chien gueulard qui arrête pas de casser les burnes, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Voilà, ça y a un pet de travers, ça gueule. L'autre il s'est posé sur moi en mode tu me casses les couilles. L'adversaire, genre vraiment. C'est quoi ce délire? Ah, si c'est moi qui commence à gueuler, là, tu vois, bizarrement ça va se taire. Ok. Oh, puis maintenant t'as les deux qui s'y mettent. Oh là 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 là. Ah ouais, forcément quand t'en as un qui commence, mec. Tu sais que moi, par exemple, à Braco, tu vois, regarde, avant il disait rien. Juste parce que l'autre connasse a ramené son clébard de mort là, qui s'est pas géré. Et ben du coup, derrière, bah la chienne se met tout le temps à gueuler. Bah du coup, le chien se met aussi à gueuler. T'as mal, ok, d'accord, trop bien. Donc, t'avais un chien qui était genre super bien, qui était propre, qui cassait pas les burnes. C'est ignoble. Et ça, ne pas savoir élever un chien. Tu peux ne pas savoir l'élever, ça, après.
On n'est pas tous doués avec ça, moi le premier. Même si je trouve que ça va, je m'en sors. Après c'est mon opinion. Mais je sais que par exemple moi pour le jour où j'aurai je veux mon chien, tu vois, bah je sais que je vais faire des. Je vais faire des. Tout ce qu'il faut derrière pour. Bon après c'est pas n'importe quel chien que je veux aussi. N'oublions pas que moi mon le chien que je veux. Voilà, t'as intérêt à le tenir. Donc j'apprendrai à l'élever, je suis pas obligé. Je les pop tellement les mecs en face. C'est même pas pour le top des gars, putain, je suis tombé de mon côté, je crois pas. Envie de me prendre un free ult. Alors, tac. J'ai pas de mana en vrai, hein. C'est vraiment un problème. Ça brûle, oh là là, il y a tout qui brûle. Oh bébé. Là tu vas sûrement suicider à la tour. C'est une merde, dès qu'il passe leur vie à brailler, c'est juste insupportable. Il est revenu. Ah non mais ouais, ça c'est du chien. Après c'est l'éducation aussi, hein. C'est... heureusement. Mais bon, je pense qu'à partir du moment où en fait il y a un veto qui t'a dit bah écoutez votre chien ne pourra jamais se reproduire parce que bon, écoutez, votre chien est tellement attaché à l'homme que si elle a une portée, il y a de fortes chances en fait qu'elle abandonne ses petits. Je pense que c'est que l'éducation a été à chier, quoi. Vraiment. C'est bon, moi, faut que t'arrêtes de considérer le chien comme un enfant, parce que là... C'est pas comme ça. Viens par ici, ta petite bête. Wow, trop bien ça, dis donc. Hop, non, égide. Oh là là, le perfect timing. Je pense à remercier le mate. Dégage de là, toi. Du coup. Let's go. On a chacun fait un. C'est parfait. Putain, on n'arrive pas à péter leur tour. Ils vont revenir encore super vite, les copains. Ah, si, on va peut-être pousser normalement. On va la péter là. Oh, ce tonneur.
ça fait trop mal, Agni. Après ça, je savais tu en fait. En vrai, je la prends pas. Bon, alors. Je sais, je vais tester ça en vrai. Je vais tester vraiment le flash, le bait flash. Ce Thanatos. En vrai, pour l'instant, normalement, on est bien parti quand même pour la gagner. Mais si je la perds, c'est pas grave. J'aurais bien rigolé quand même. C'est sûr qu'en face, il y a un mec qui veut, genre, il veut mon fiac. Hein. Genre, véridique, il y a vraiment un mec en face qui veut mon fiac et un aral cul, je pense. Le phoenix ça sert à rien. Ah il l'a quand même, bon je sais c'est propre. Sérieux bon c'est toujours pas mal ça faisait là. Bon c'est chaud. Putain, ils prennent cher. En vrai de vrai, je vais faire une bulle. Ça peut être rigolo. Une petite bulle. Je vais prendre des wards parce qu'en vrai, il faut aussi de la vision. Là. Il faut de la vision, là, c'est clair. Les mecs, ils ont faim quand ils me veulent. Hein. Ah mais oui, d'accord, ils ont fait 5 kills, mais juste sur un 4 chez nous. Oh, c'est triste. Oh, oh, oh. Excès de confiance de la part de nos alliés. J'ai envie de Dashina. Salut ton pote. Oh non. Je suis vert, j'ai tout loupé dessus. J'ai vraiment tenté plein de choses. Hop là, moi je pense ça. Ça vous dérange pas les copains? Thanatos. Oh, le Thanatos qui a réussi à avoir quelqu'un. Dommage.
C'est worse, si tu veux back, ça me bat. Ouais, non, peut-être pas faire ça. Thanatos qui part sur de la résistance, d'accord. Ben, ça me va si tu veux partir sur de la résistance, mon grand, mais. Perso, j'ai de la peine, quoi. Tu vas prendre tarif, mon petit Hartung. Oh. Les Alibrands, ils ont trop faim. J'ai de la chance qu'ils sont... ils se font pas punir. Hein. Il pourrait l'arche faire punir. Hein. On va juste être tendu d'embuscade là. Alors mon grand. Voilà, c'est bon. Oh l'échec. Oh, je l'ai regardé avec un air de dédain, mon gars. Je l'ai regardé prendre son envol, claquer son ult et s'enfuir. Vraiment, je l'ai jugé. Le Thanatos en face, je l'ai jugé. Oh non. Oh, l'immune. Oh, deux ultis. On reconnaît. On reconnaît les deux ults qui ont proc. Ouais, je suis. See you at the next job. Ouais. Goodbye. Well done. Oh là 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 là. Je veux que j'y serai la fesse à la fin. J'ai été greedy. J'ai clairement été greedy. Allez. Moi je suis passé niveau 26. J'ai 18 000 de dégâts, bon ça va en vrai. Oh, là, en face, 11 000, 13 000, 8 000. Table des scorpions, voir un peu leur build. Izanami. Ah, il était parti sur du critique, Izanami. Peut-être ça que j'ai senti à la fin, du coup. Et ok, point d'alpha.